Voilà, en allant en direction le Doi Inthanon, on s'est arrêté autour de, vers des temples en fait, et on est en train de visiter. Donc là on est dans un temple où il y a vraiment beaucoup de Bouddhas, plein de peintures tout autour de nous, les Bouddhas, tout est doré, c'est très joli. Donc on va voir ce que ça donne. On dit que si on frotte ses mains contre le gong, que ton énergie est pure et que tu vides ton esprit, et ben le gong va retentir, va faire une sorte de bruit. J'ai pas d'énergie pure, ça fonctionne pas. Mais j'ai pas l'esprit vide là. C'est pas mon truc. Non. Coming. Ouais. Tortues derrière nous, ils viennent de nous déplacer. C'est trop beau, un méga vert. On vient d'arriver au Doi Inthanon, il a fallu beaucoup de montées pour y arriver. On a d'ailleurs plus d'essence, je ne sais pas comment on va rentrer. Donc on a payé 300 bahts pour arriver dans le parc national et arriver au Doi Inthanon, il faut payer 40 bahts par personne. T'as dit quoi? Very beautiful. C'est un peu comme arriver... Ah, il fait un peu froid quand même, hein. On est quand même assez haut, je sais pas à quelle altitude. Et on se licaille un peu. Bon, je suis en short, hein, donc ça va, je suis pas non plus... On n'est pas en plein hiver, mais il fait pas très chaud. Beau, il y a en fait deux temples qui sont similaires et qui sont pas de la même couleur, et les intérieurs en fait sont différents. Il y en a un qui a un Bouddha traditionnel assis et l'autre c'est un Bouddha en fait. Il y a des fresques tout en mosaïque qui représentent les jardins avec des bouddhistes accompagnés de Bouddhas. C'est absolument magnifique, incroyable. Les jardins sont hyper colorés, super bien entretenus, les arbres taillés. Voilà le paysage, magnifique. Et là-bas, je vais mettre une position plus confortable. Et donc, absolument fabuleux. Je pense que c'est le plus bel endroit que j'ai vu jusqu'à maintenant depuis qu'on est à Chiang Mai. Vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Et puis la nature, ça fait du bien quand même, parce que quand on vit dans une ville comme Chiang Mai, la pollution, on la sent. Et c'est pas agréable, franchement. Just by the waterfalls, it's so cool. Escalader des cailloux, ça glisse beaucoup. On aimerait passer derrière la chute d'eau. C'est la beboulife et on a passé la Saint-Valentin avec Maxime et Laura et on a fait trop de trucs cool aujourd'hui. Les waterfalls, mais le bébou à la froid. Donc,